Salut tout le monde, c'est Ria, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 17 de notre let's play en level and challenge sur Kingdom Hearts 2 les amis. Et aujourd'hui on va donc terminer la rivière intemporelle ainsi que le monde Disney. Voilà, un épisode qui risque d'être quand même relativement court pour une fois. Ça changera un petit peu des derniers épisodes qui étaient pour moi assez longs en termes de tournage. Normalement on devrait pas trop avoir de galère, mais bon après... On n'est pas à l'abri d'une petite surprise, n'est-ce pas? Donc je vais pas vous faire l'affront de vous faire le résumé des faits, puisque vous avez une petite cinématique, et puis même en fait il s'est pas passé tant de choses que ça, honnêtement, à part les révélations concernant le plan de Pat. Mais bon, on s'en doutait déjà un petit peu. Donc ce que je vous propose, tout simplement, c'est d'abord on va aller voir le Mog, voilà. On va un petit peu innover. On va aller voir le Mog, on va regarder ce qu'il nous propose. Donc des chevalières en or, qu'est-ce que c'est que ça? Accroît la magie et augmente les PC max de 2 points. Ok, bon. Est-ce qu'on n'a pas des choses à synthétiser par le plus grand des hasards? Oui, bon, dans le catalogue, on pourrait faire une chevalière sinistre, mais on va pas la faire. On peut fabriquer une gourmette glacier X et un bracelet brasier X. Pas vraiment d'utilité en soi pour le moment, donc on va les garder précieusement. On peut fabriquer une méga potion. On va se la faire histoire de faire une... comment je pourrais dire? Histoire de faire un peu d'XP pour le Mog, voilà, parce qu'on aura besoin de ces synthèses certainement plus tard. Donc bon, ce que je vous propose donc c'est qu'on continue sans plus tarder, on va donc partir à la recherche des deux pattes qui semblaient vouloir en découdre. Alors, ils sont pas ici. D'accord, donc des petits sans-cœurs qui apparaissent, tranquille, peinard, tranquille pépouze, tout va bien, c'est parfait. Alors bon, on va se les faire comme ça nous fait un petit peu de... Ça nous fait quand même... Oula. Ah, en fait, non, on va pas se les faire. On s'en va. On s'en va. Je préfère la fuite, honnêtement. Wait! Shut up! Your future's on the line, Pally. So back off and give me the boat! The promise stone! After him! Bon, première partie du combat de boss contre Pat. Rien de bien compliqué. Il va se falloir juste lui renvoyer des objets pour l'assommer et ensuite il faudra casser tout simplement la cage. Alors je sais pas pourquoi j'ai le son qui grésille énormément dans les écouteurs. Mais bon, s'il faut, c'est juste moi qui ai mal réglé un truc. C'est pas très grave. On va faire avec pour le moment. Allez Pat, quand est-ce que je t'assomme? Ça suffit pas ça? Genre. Nul. Hop. Oh mince, je me suis raté. Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser, ça ne se reproduira plus, promis. Ok. Donc maintenant qu'il est assommé, il suffit simplement de se cramponner ici et de frapper tranquillement juste ici. Alors, on se cramponne. Très important de se cramponner. Bon les gars, va falloir que vous soyez utiles là par contre, hein. Ce serait vraiment sympa de votre part. Faudrait au moins qu'on retire la première barre de vie avant. Hop, on se cramponne. Très très important. Encore une fois. Ok, parfait. Une barre de vie en moins. S'il faut en fait, on va le one-shot. Hein. Ce serait plutôt pas mal. Oh là là. Non, mauvais timing. Bon, c'est pas très grave. On peut pas l'attaquer. Oh, je suis un peu déçu. Ah, waouh. Allez, dégagez de là. Hop là, et vaillance augmente de level. Décidément, ça veut vraiment dire qu'on l'avait pas beaucoup utilisé. Ça veut vraiment dire qu'on l'avait pas beaucoup utilisé, vaillance, hein, si on a déjà réussi à prendre un niveau supplémentaire. Ah, on peut se raccrocher, ça c'est cool. Oh non! Oh, le fail! La déception. Allez. Ben, que s'est-il passé? Ok. Il a pas voulu marcher. Ça n'a pas voulu fonctionner. Bon, c'est pas très grave. Hop. Donc ce qui est bien, c'est que là, je crois qu'on va obtenir la première amélioration de saut pour Sora. C'est pas plus mal. Hop. Ce sera plutôt pratique. Allez, encore un. Et après, on va pouvoir se le faire. Ah non, ça marche pas. Ok, donc j'ai complètement gâché vaillance, même si j'ai gagné un peu d'XP. C'est pas très grave. Ouais, mais en plus, je suis bête, hein, parce que j'aurais largement pu faire un truc bien plus sympa. Donc, je vais vous offrir quand même une caméra un petit peu plus... Oh. Fais un effort, please. Oh non.
Pas vous. Hop, je reste à l'affût d'une éventuelle... Oh là. On fait attention quand même. Ok, on l'a eu. Allez, on réattaque. On continue. Si les deux autres s'y mettent, on peut peut-être faire un bon truc. Bon, je peux pas utiliser ma magie dans ces conditions, c'est un peu dommage. Cramponne-toi. Ok. Bon, c'est bon, là, on l'a. On va réussir la première phase, ce sera plutôt pas mal. Bon, rien de passionnant, hein, n'est-ce pas? On va s'avouer, il y a des combats plus intéressants que ça, notamment en level 1. Mais bon. Et on obtient Mouliner, qui est une super compétence, ça j'adore. Donald, we'll come back for it later. Pete's heading for the doorway. Bien, donc là, Pat essaie de s'enfuir. On a enfin récupéré la cornerstone. Enfin, la pierre angulaire, pardon. Et donc, on va partir à la poursuite de Pat, puisque je vous rappelle qu'il faut verrouiller la porte par laquelle il est arrivé dans ce monde. Oh bah tiens, le voilà, l'autre Pat. You're still wet behind the ears. Then try us. Hey! Bon, je vous présente le combat le plus what the fuck de l'univers avec Pat contre Pat plus nous. Autant vous dire que ça va être un petit peu la mouise. Ah, j'ai pas activé la compétence du coup. Je suis un peu déçu. Ah, j'avais oublié ce petit détail. Ah oui, on peut le stun. Ah, ça marche pas. Allez, on peut le stun un petit peu. Oh mince. Allez, on l'attaque maintenant. Alors attention à l'autre patte. Oh non! Je dis ça et je me fais frapper. Oh non. Encore. Allez, on va bientôt pouvoir récupérer vaillance. Parfait. Donc on va pouvoir récupérer vaillance, ça c'est plutôt cool. Allez. Non. Oh damn. Allez, encore. Ok, je suis un petit peu concentré là, je vous avoue. On va pas se le cacher. Oh, qu'est-ce qu'il m'a envoyé dessus? Ah, ok. Il m'a fait cramer. Ça m'a pas fait de dégâts. Bon, remarque, tant mieux. Allez, on en profite pour lui faire un maximum de dégâts. Ah, Donald est KO, comme d'hab. C'est plutôt mauvais. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh DM! Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de Donald. Voilà. Allez, c'est le moment de l'attaquer tous ensemble. Ok, on s'en sort plutôt bien pour le moment. Oula, attention. Hop, on lui rebalance dessus. Hop, bon, le deuxième patte, honnêtement, il sert pas à grand chose, mais. Qu'est-ce qui lui arrive là? Il va où? Ok. Encore un peu. Oh, sans déconner. Ouch! Damn! Les gars! Je viens de sacrifier un soin pour vous, donc vous avez pas intérêt à mourir de suite, hein. Je vous demande rien de compliqué, hein, mais. Bon, avec vous, j'ai l'impression que tout prend des proportions assez. Insensé.
En fait, j'aimerais pouvoir utiliser ma coop avec eux. Oh, damn. Allez, il est en l'air, c'est le moment. Est-ce que j'utilise la fusion? Bon, on va réutiliser Vaillance, comme ça, ça va l'XP un petit peu. Allez, on s'en sort plutôt bien. Ce serait bien qu'on le one-shot. Enfin, qu'on le first try, en tout cas. Ok, allez, viens. Oh. Ah, damn. Arrête de faire la boule de flipper, ça sert à rien. Allez, on va la voir. Ce serait bien de la voir avant la fin de Vaillance. Allez. Une vrille. Ah, ça lui fait pas de dégâts. C'est chiant. C'est très chiant. Oh non. J'ai plus de potion. Pourquoi? Mais je l'ai pas utilisé ma potion. Ah si, peut-être. On va faire attention. Oh mince. J'ai pas soigné les autres. Comme un idiot, j'ai pas soigné les autres. Allez, c'est le moment. Oh non! Arrête de te soigner. Espèce de lâche. Allez. Ah, il est chiant. Allez, on se concentre. Au bout d'un moment, c'est mathématique, il pourra pas se soigner. Allez, c'est le moment. Coup critique. Oh non, j'allais le faire. Allez, tu meurs, voilà. Et on obtient l'élément miroir. Ça, je me souvenais plus qu'on l'obtenait à ce moment-là. C'est super. Maintenant qu'on a miroir, là, je vais pouvoir revivre un petit peu, je vous avoue. Ça fait très plaisir. It serves you right. Ow, 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 ow. Yeah, and stay out. Yeah, I know. Would somebody tell me what's been going on here? Who was that creep anyways? Hello? That creep was you from the future. Sora, that's a secret. Secret? What kind of secret? Oh, never mind. Sorry I put you guys through all that trouble. Yeah, well, just for me to have a And to show you my appreciation, I'll let you pilot my steamboat. Best little craft on the river. My deckhand Mickey's late anyways. Et on obtient la Keyblade monochrome, qui est somme toute une jolie Keyblade, même si, très sincèrement, j'en suis pas méga fan. Et en plus, bon, son utilité, sa compétence spéciale est pas non plus complètement fofolle, on va se le dire. Augmentation de 50% des effets des objets de soins sur le terrain. C'est... ouais. Disons qu'il y a des Keyblades un petit peu mieux. Mais on utilisera monochrome au moins une fois dans le LP, promis. To the castle safe now. Guess we should head back. Wait, as long as we're here. Donald! Huh? Huh? Yeah. Hey, what's the big idea? Let me go! Let me go! What?
George, the lads have accomplished their mission. Hooray! Let's have an acorn feast to celebrate. Welcome back. Because of your bravery, the castle is safe and protected again. Thank you so much for all you've done. Good work, you guys! Now, boys, I hope you didn't do anything reckless while you were there. Of course not! Daisy! Daisy, I'm back! Who? Daisy is Donald's very special sweetheart. Really? What? Donald, you forgot about our date again. You'd better have a good excuse this time. But Daisy, I know it's an important mission, but you could at least check in every once in a while. So what? Donald? Just be a minute. Going somewhere? Of course not. Donald! Oh, look. Daisy, we need Donald for just a little longer. How much longer? Well... I'll be back soon, Daisy. Don't you worry, Queen Minnie. We'll return. Please tell the king that we're still looking for him. I will. See you soon! Think wisely. Et donc voilà les amis, on a terminé le Disney Castle, le château Disney plutôt, et c'est une très très mauvaise prononciation d'anglais, j'en suis navré. Et on obtient d'ailleurs au passage la forme de fusion sagesse, c'est très 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 cool tout ça. C'est même, je dirais, parfait. C'est pour vous dire à quel point quand même. Et puis, mon dieu, on est de retour en couleur enfin. Après 3 épisodes en noir et blanc, on est enfin de retour à la couleur les amis. Et ça me fait très 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 plaisir. Tout simplement parce que ça me manquait un petit peu au final. Un nouvel épisode a été ajouté. Oui, oui, oui. On verra ça plus tard. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour à la forteresse oubliée. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit à y faire de spécial, mais simplement pour que j'ai un endroit en fait où me poser avec une musique un peu sympa, histoire de faire mes configurations, voir mes compétences, etc. Pour me mettre à jour tout simplement. Et donc la prochaine fois, je pense que vous savez où nous allons aller. Je vous le donne en mille, nous allons aller chez les pirates, les amis. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. Pour le moment, l'heure n'est pas encore venue de s'en occuper. Donc, on a plein de nouvelles choses. Alors, voyons voir, configuration. Où est-ce que je mets le miroir d'habitude? Ouais, je le mets ici. Voilà. Donc là, j'ai ma configuration de jeu classique, en fait. Brasier, foudre, soin et miroir. A savoir qu'il y a aussi une autre magie qui s'appelle aimant, pour ceux qui connaissent, que je risque de mettre à la place de brasier, et en fonction de l'utilité que j'en ai, je remettrai brasier, etc. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite, l'aimant, je crois que ça arrivera que dans le prochain monde, voire peut-être même plus tard. Donc, on a la fonction moulinet qui nous permet donc de faire des gros dégâts critiques, invocation auto, ça ne m'intéresse pas, le super saut de niveau 1, et on est parfait. Ensuite, bon, ben, super soin de niveau 2 avec vaillance. Évidemment, on a sagesse qui vient de se débloquer. On la découvrira certainement dans le prochain épisode, justement parce que c'est un monde où la magie est plutôt utile.
Et on est plutôt pas mal, je pense, hein, voilà. Bon, en termes d'objets, on est, c'est une catastrophe en termes d'objets. Mais ça, c'est encore une autre histoire, n'est-ce pas? On verra ça plus tard. Je vais attribuer les bonus PC à la Missora. Voilà, parce qu'on en aura besoin. Éclat grondant, monochrome. Monochrome ne favorise pas forcément la magie, du coup, est-ce qu'il n'y en a pas une? Porte-clé d'origine de la Keyblade réduit les dégâts subis de moitié en cas de danger. Redonne des MP proportionnellement aux dégâts subis. Bon, c'est un petit peu dangereux, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure en magie que les autres? Bon, monochrome est la moins dégueu en termes de stade, du coup on va prendre monochrome pour le prochain épisode. En sachant qu'on a Stella aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas modifier Stella? J'aime bien l'idée de prendre un emblème de héros en fait avec Vaillance. Mais j'aime bien. On va prendre un emblème de héros sur Vaillance. Comme ça, on va bien s'amuser. Et du coup, j'avais juste une question concernant Stella. Ouais, elle a des stats de magie moins importantes, très bien. Bon. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on aille se tester un petit peu ce miroir, voir un petit peu si je suis pas trop rouillé en termes de réflexes. On va voir ça dans quelques instants. Bon, le carnet de Jiminy, on s'en fout un petit peu, très honnêtement. Très bien, donc on va faire quelques petits combats histoire de voir si je suis pas trop rouillé. Avec miroir, même si normalement il devrait pas trop y avoir de soucis. Bon, surtout contre des ombres. Là. Alors elle est bien sympa quand même, monochrome, même si je suis pas fan du design au final. Après, j'aime beaucoup les petites étoiles, un petit peu bande dessinée, en noir et blanc comme ça, elle est assez cool mine de rien. Même si, voilà, très honnêtement, c'est clairement pas ma Keyblade préférée, elle reste sympa. Donc je vais en profiter aussi pour récupérer les quelques coffres que j'avais pas encore récupérés. Bon, c'est peut-être pas le meilleur monde en fait pour s'entraîner. J'en conviens. Parce que vu qu'on a le... On a l'appareil là pour éliminer les 100 coeurs, ils ont pas forcément le temps d'attaquer même si on est level 1. Ah, voilà, quelques petits ennemis. Comme on les aime. Parfait. Encore un. J'aime bien faire des combats même en level 1 au final. J'aime beaucoup. Bon, après ça dépend des ennemis, vous me direz. Allez, toi tu meurs. Je t'ai rien demandé, voilà, parfait. Hop. Donc maintenant on a un super saut, voilà, qui est légèrement amélioré, ça fait plaisir. Un petit reflux qui fait toujours du bien, notamment lorsqu'on en aura besoin plus tard dans le jeu. D'ailleurs, dans la version Final Mix, c'est assez marrant parce que le reflux de base dans la version originale du jeu ne restaurait qu'une seule jauge de flux. Dans la version Final Mix, il en restaure 3 et le méga reflux en restaure 6. Il me semble. Je dis ça de souvenir, mais je suis pas tout à fait sûr de ce que restaure la méga, le méga reflux dans ce jeu-ci, mais dans l'ancien, il en restaurait que 3. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude certaine. Alors voilà, j'ai récupéré les coffres qu'il y avait là. Où est-ce que j'ai pu rater des coffres? Bon, les autocollants, pour le moment, on attendra un petit peu avant de les faire. Il y a un coffre juste en face que je vais aller chercher, évidemment. Ne vous en faites pas, je l'ai vu. Hop, on est bien. Est-ce que... Ouais, non, pour le moment, on n'aura pas accès avec ce méga saut. On n'aura pas accès au deuxième autocollant. On le récupérera plus tard, du coup. Je suis en train de chercher un petit peu ce qu'on peut faire. Il y a plein de coffres aussi dans la Terre des Dragons que j'ai pas encore récupéré, faudrait que je le fasse. Mais bon, disons que pour le moment, c'est pas vraiment ma priorité ultime. Hop. Ah, c'est con, il voulait utiliser Cyclone, le pauvre. Hop. Bon, franchement, je trouve qu'on se débrouille pas si mal que ça pour du level 1. En règle générale. Bon, en même temps, on a un peu plus de PV qu'avant, donc au final. Et on a une défense qui est accrue aussi. Du coup, c'est sûr que ça permet de faire 2-3 trucs supplémentaires qui sont bien sympas. Alors c'est con, mais j'ai toujours été fan de ces petites fontaines là. Je mens pas, c'est vrai, j'ai toujours été fan de cet endroit. Et là, ces petits escaliers avec ces petites fontaines. C'est inutile au possible, c'est juste du décor, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, histoire de partager une petite anecdote avec vous. Oh là. J'ai réagi au dernier moment, mais j'ai réussi à l'avoir. Bon, pour le moment, j'ai toujours pas utilisé le miroir. Ah d'accord, vraiment il est pas très large le miroir. Mais bon, vu que c'est la même durée d'action, normalement, ça changera pas grand chose. Ce sera simplement, je crois, sur la zone au final d'impact du retour du coup. C'est-à-dire, vous savez, quand par exemple un ennemi me frappe quand j'utilise le miroir, son attaque est réfléchie, donc du coup ça fait des dégâts, ça fait une sorte de petite explosion autour de moi, qui fait des dégâts à l'ennemi. Et je crois que justement le principe c'est que plus le miroir est amélioré, c'est-à-dire miroir plus ou miroir X,
ça va plus ou moins augmenter la zone d'explosion en fait autour de moi, ce qui a plus de chances d'affaiblir plusieurs ennemis en même temps. Là, sachant qu'on a le miroir classique, ce sera vraiment une toute petite explosion. Est-ce qu'on pourrait pas tenter ça vite fait? Y a pas d'ennemis là, sérieusement? Bon, il y en a juste ici, normalement, voilà. Allez, j'ai juste besoin d'un coup. Voilà, effectivement. Aïe, la zone d'impact, la zone de frappe est beaucoup plus réduite. On fait pas d'erreur, d'accord, s'il vous plaît. Ok, et eh bien écoutez, on est plutôt bon là, je pense, mine de rien. On a fait plein de petites choses, on a récupéré les coffres d'ici. S'il y a des épisodes qui sont un peu vides, dans le sens où, voilà... Ah, est-ce qu'on peut pas réussir à grimper du coup? Non, toujours pas. C'est pas très grave. On fera ça une prochaine fois, ok. Éclat de sérénité supplémentaire, très bien. On peut pas faire d'élixir, on peut faire des gourmettes et des brasiers, ça ne sert à rien, pour le moment en tout cas. Eh bien écoutez, on est bien là! Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse ici pour cet épisode. C'était très très sympa de vous retrouver, de retrouver la couleur, de finir le monde de la rivière intemporelle. Maintenant, on attaque, je dirais, grosso modo, le deuxième quart du jeu. Voilà, une fois qu'on aura fini ce deuxième quart, on sera donc à la moitié du jeu. Enfin bref, je pense que vous connaissez vos fractions, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Mais bon, dans tous les cas, on a fini donc le premier quart du jeu, qui était peut-être un petit peu le point, un petit peu complexitude, si je puis dire, puisque c'est vraiment là que la vie, la défense sont les plus faibles, et au final, en battant certains ennemis, on obtient des bonus qui nous permettent quand même d'être légèrement plus résistants et de mieux tenir le coup. Du coup, écoutez, c'est parfait tout ça, je vous laisse avec cette magnifique vue, juste ici, voilà, c'est très bien, avec cette petite place qui est, ma foi, fort sympathique. Et donc écoutez, tout ce que j'ai à vous dire c'est merci d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis à très bientôt tout le monde, c'était Ria, bye bye!